Bonjour à tous, bienvenue dans les San Gabriel. Là, je suis à 2400 mètres d'altitude, je pense. Donc, on est le 3 mai. Je viens de reprendre la marche ce matin, tout en bas, et je suis dans un endroit qui domine pas mal la situation. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous faire un petit cours de géographie. Donc, je vais tourner l'appareil pour vous montrer un petit peu ce qu'on a sous les yeux et vous expliquer ce que vous voyez. Alors voilà, donc depuis les San Gabriel, vous avez plusieurs choses sous les yeux. Là-bas, sous les nuages, dans le brouillard, c'est la cuvette de Los Angeles. Et au-delà du brouillard, le massif que l'on voit droit devant, c'est San Jacinto. En se déplaçant un petit peu vers la gauche, vous avez une espèce de brèche avant d'atteindre le massif suivant sur la gauche. Cette brèche, c'est Cabason, qui donne accès depuis Los Angeles à Palm Springs. On continue un petit peu vers la gauche, vous avez une espèce de double massif, là, qui est le massif de San Gorgonio, et tout le massif qui est à gauche des nuages s'appelle San Bernardino. Et en arrivant dans cette direction, vous avez deux choses intéressantes. Trois. À l'horizon, vous avez le désert de Mojave. Et au premier plan, vous avez un petit vallon en bas, là, avec traversée par une petite route. C'est la faille de San Andreas. Elle passe exactement là. Et derrière la faille de San Andreas, vous apercevez la route 15, l'autoroute du Mojave, qui va de Los Angeles vers, grosso modo, l'ouest, vers Las Vegas en traversant le Mojave. Et le col que l'on aperçoit, là où il y a les deux grands virages des deux voies de l'autoroute, c'est ce qu'on appelle Cajon Pass, qui est une des deux seules voies de sortie du bassin de Los Angeles vers le nord. Soit vous sortez de Los Angeles en longeant la côte, vers Santa Barbara, la côte pacifique, soit, étant donné que Los Angeles, à cause de la faille de San Andreas, est entourée de montagnes, la seule issue, c'est ce col, qui s'appelle Cajon Pass, qui a été utilisé par les colons dès le 19e siècle et même avant, et donc qui est un endroit particulièrement emblématique de la région de Los Angeles. Et il est aussi utilisé constamment par des trains de marchandises absolument monstrueux, de manière incessante, on entend leurs sirènes jusqu'ici, parce que tout à fait au début des nuages, dans le nord du bassin de Los Angeles, vous avez une ville qui s'appelle Ontario, qui est l'entrepôt des États-Unis en quelque sorte. Long Beach, où j'étais jusqu'à ce matin, c'est le premier port des États-Unis. Toutes les importations de marchandises en provenance du monde entier arrivent à Long Beach, grosso modo, et surtout en provenance de Chine. Et de là, elles sont transportées en camion jusqu'à Ontario, qui est à la limite, si vous voulez, là de droit devant nous, des nuages et du Mojave. Donc Ontario, c'est la partie nord, juste avant Cajon Pass, et c'est là que se sont développés des centaines et des centaines d'entrepôts gigantesques, parce qu'on est à la limite du Mojave et que le terrain n'était pas cher, et qu'on peut acheter du terrain pour y construire de grands entrepôts facilement, à bon marché. Donc à Ontario, c'est une succession d'entrepôts, et le train vient récupérer les marchandises à Ontario pour ensuite les acheminer dans tous les États-Unis en passant par Cajon Pass qu'on a sous les yeux. Voilà, donc en ce qui me concerne, j'ai encore 5 miles à faire pour aujourd'hui avant de pouvoir me poser, et ça sera pas mal de me poser parce que ça a été un peu brutal le redémarrage depuis en bas là. Et dans les jours qui viennent, eh bien, il faudra redescendre là-bas derrière, dans le Mojave, et en traverser une partie en direction de la Sierra Nevada. Voilà. Et bien, la suite au prochain épisode.